Alors Florian, ça fait toujours plaisir de revenir en Bretagne, de plus en plus souvent maintenant, et c'est vrai qu'il y a la relève et les espoirs. Tu avais souvent dit que tu manquais d'opposition sur les précédentes courses. Aujourd'hui, on avait le top niveau breton. Oui, bah Aurélien, de toute façon, c'est pas n'importe qui. J'avais déjà remarqué ces dernières semaines qu'il était quand même en bonne forme, donc je m'attendais à ce que ce soit lui vraiment le client aujourd'hui, donc ça n'a pas loupé. On n'a pas tellement réussi à se départager tous les deux, on a un tour c'était lui, un tour c'était moi, donc ça s'est fini au sprint et voilà. Alors sur le plan national, la saison a redémarré de belle manière, comme les autres dernières, j'ai envie de dire, toujours bien placé aux alentours du top 5. C'est vrai que tu n'es pas loin finalement du match pour la 2-3e place, j'ai l'impression. Ouais, bah, si je peux m'améliorer encore un petit peu d'ici Besançon, ce sera parfait pour me rapprocher toujours un peu plus du podium et puis il y aura le France après où j'espère que pareil toujours sur le podium, ce serait super. Alors cette saison un petit peu plus en Bretagne, quelles sont les prochaines échéances pour toi? Voilà, jeudi prochain je vais aller à Marle en Picardie et après donc ce sera Plougano et donc après pour les prochaines échéances pour l'instant. Alors la saison prochaine, de nouveaux objectifs, notamment en VTT, où tu as dit vouloir découvrir et approfondir cette discipline, c'est vrai qu'elle pourrait vraiment te convenir. Ouais, j'ai envie d'en refaire un petit peu, j'avais commencé par ça tout jeune, et là j'ai envie de refaire un peu de VTT pour me faire plaisir, et on va redécouvrir ça tranquillement. Les applaudissements s'il vous plaît pour le deuxième de l'épreuve, c'est le premier senior.